Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les notifications sur les vidéos que je poste, de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, mais aussi de laisser des suggestions pour que je puisse faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de ma coiffure. Je vais mettre une photo dans la vidéo pour vous montrer ce à quoi ça ressemble, avec quatre angles différents. Je me suis fait faire cette coiffure mercredi surpassé. Cette semaine, ça va faire 2 semaines. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer à cette coiffure? J'ai fait la même chose que je fais. Je n'ai pas fait de bain d'huile par contre. Shampoing, soin. J'ai essayé de sécher un peu avec un t-shirt. Ensuite, je suis passée au blow drying process. C'est la même chose, ce sont les mêmes produits que j'utilise. Le leave-in de Pure, le leave-in de Curls, crème brûlée, le leave-in de Melanin et le protecteur de chaleur de Care. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Et je pense pas avoir mis l'huile de mélanine après parce que je me suis dit, ok, mes cheveux vont être trop lourds. Même si je m'en fous un peu que mes cheveux soient trop lourds parce que je vais faire des tresses anyways, mais... Donc, c'est un peu ça que j'ai utilisé. Il y a un produit, par contre, que je n'ai pas. Mon amie qui m'a coiffée a utilisé. C'est une pommade. Vous savez, les pommades qu'on utilisait avant, là. Enfin, pas les pommades qu'on utilisait avant, mais c'est une pommade pour que les cheveux soient un peu slick down. Comment on dit ça en français? Nous avons venu à l'impoto. Ok, donc c'est un peu ça. Hier, mes cheveux ont touché du chlore, donc il fallait bien que je puisse nettoyer. J'ai fait 2 shampoings avec le shampoing de Carol's Daughter. J'ai utilisé un après-shampoing de Organics. Je pense que je l'ai déjà mis quelque part dans mes vidéos, mais je vais mettre la photo là-dessus. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai rincé. J'ai mis mes cheveux Bref, j'ai utilisé un t-shirt. Et après ça, j'ai mis le Greg Juice. Je pense que je vous ai montré le Greg Juice. Si vous n'avez pas encore vu le Greg Juice, je vais mettre la vidéo où j'ai présenté le Greg Juice ici, somewhere. Donc, j'ai utilisé le Greg Juice, surtout pour mon cuir chevelu, parce que mon cuir chevelu est sec à cause de l'eau calcaire ici. C'est too much. Donc, mon cuir chevelu ces derniers temps est super sec. Il faut que je puisse faire quelque chose. Surtout que j'ai des braids et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour le produit d'atteindre mon cuir chevelu. J'ai fait ça. J'ai utilisé le leave-in conditioner de Pure. J'ai utilisé le leave-in conditioner de Melanin. J'ai skip le truc de Curls. Et après ça, j'ai utilisé de l'huile d'amande douce. Mes cheveux ont séché overnight. Ils sont secs là. C'est tellement mieux. Mes cheveux sèchent tellement plus vite quand ils sont en tresse. Franchement, j'avais totalement oublié. Et ça fait... Je sais pas c'est quand la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait des tresses, en fait, c'était en 2016. Entre 2016 et 2017, j'avais les Lemonade Braids. Donc, c'était la coiffure qui fait ça avec les trucs mi-choses. C'était ça que j'avais. Mais sinon, j'aime bien. Je pense pouvoir garder ces cheveux pendant 1 mois. Donc, j'ai encore 2 semaines. Et puis voilà, je pense que c'est tout. C'est tout pour ma coiffure. Si vous pensez que je n'ai pas répondu à certaines questions, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Allez, à la prochaine vidéo. Bye!